الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wa kitab al-aziz. On avait vu durant les cours précédents que le divorce se divisait en quatre catégories. Il se divisait, la première catégorie c'était quant aux formulations de divorce. On avait dit que le divorce sur ce point de la formulation se divisait en deux. Il y a une formulation claire et évidente, et il y a une formulation ambiguë. Ensuite on a vu que le divorce se divisait aussi en deux quant au divorce lorsqu'il est prononcé directement ou lorsqu'il est prononcé sous condition. Et la semaine dernière, on avait traité les deux dernières catégories du divorce. La troisième qui était le divorce qui se divise entre un divorce sunni et un divorce bid'i. Donc un divorce conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un divorce innové. Quelle est la définition que l'on avait donnée du divorce sunni, donc conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un divorce sunni, c'est lorsqu'on divorce sa femme une seule fois. C'est lorsque l'on divorce de sa femme une fois. Durant sa période de pureté. Naam. Durant. Quand elle n'a pas ses menstrues. D'accord, donc lorsqu'elle est pure et qu'elle n'a pas ses menstrues. Et qu'on n'a pas eu de relation avec elle. Et. Qu'il n'y a pas eu de relation intime avec elle. Qu'il n'y a pas eu de relation avec elle durant cette période de pureté. Donc. Le fait de dire de la divorcer une fois, ni quel point? Le point où la triple formulation, non? Naam, ahsant. Le divorce, conforme à la science du prophète, c'est de prononcer le divorce une fois. Contrairement, ni cela vient contredire le fait de le prononcer trois fois en une seule formulation ou dans une seule assise. Cela n'est pas conforme à la science du prophète. Et le divorce conforme à la sunna du prophète, c'est aussi de divorcer de sa femme alors qu'elle est en état de pureté. Ce que comprend, c'est qu'on comprend de cela que le divorce innové, c'est lorsque le mari divorce de sa femme lorsqu'elle est en état de menstrues. Et le troisième point, c'est de divorcer de sa femme alors, lorsqu'elle est pure, dans une période de purification où il n'y a pas eu de rapport intime avec elle. Autrement dit, il est interdit de divorcer de sa femme lorsqu'elle est pure, dans une période de pureté dans laquelle il y a eu des rapports. On avait cité les preuves de cela dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Quelle est la preuve dans le Coran? الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Allah SWT a dit le divorce est de deux fois, c'est-à-dire le divorce qui vous est autorisé, le nombre de divorces autorisés après lesquels vous avez la possibilité de récupérer vos femmes sont au nombre de deux. Au nombre de deux. Alors, Saint Allah a bien distingué un divorce, puis une récupération, et ensuite le second divorce. D'accord? Cela vient
appuyer ou bien contredire ou interdire le fait de prononcer le divorce trois fois dans une même assise ou dans une même phrase. Ensuite, il y a l'autre verset que l'on avait cité, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ayyuha an-nabi, idha talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Ô prophète, lorsque vous divorcez des femmes, divorcez avec elles pendant leur idda, pendant un temps bien précis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans sa sunna authentique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: fatalliquhunna li iddatihin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le terme idda dans ce verset. Et comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué? Quelle explication a-t-il donné? Quel tafsir du Coran le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait sur ce verset? Comme cela, Allah. C'est le hadith de Omar, ou plutôt le hadith de Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il est venu informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que son fils, Abdullah ibn Omar, a divorcé de sa femme en état de menstru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé à l'annonce de cette nouvelle. Et qu'a-t-il ordonné à Omar ibn Khattab radiallahu anhu? Il a ordonné à son fils de récupérer sa femme. Ensuite, qu'il attende la prochaine période de menstrues, ou les prochaines menstrues, et qu'il attende qu'elle soit pure, qu'elle soit purifiée de ses menstrues, et ensuite, sainte. Et ensuite, s'il veut la garder, il la garde. S'il veut divorcer, alors qu'il divorce, mais le prophète sallam a dit, qabla an yamas, qu'il la divorce avant d'avoir des rapports avec elle. Car si il a des rapports avec elle, et qu'il la divorce par la suite, il aura divorcé de sa femme pendant une période où elle était pure, mais dans laquelle il y a eu des rapports intimes. Et ensuite, le professeur sallam a expliqué dans ce hadith, a dit, fait-il qu'elle idda التي أمر الله أن تطلق لها النساء. C'est ceci la idda qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, ou dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que l'on divorce, ou a permis que l'on divorce des femmes. C'est-à-dire pendant cette période où elle est pure et dans laquelle il n'y a pas eu de rapport conjugaux. Donc ça, c'était concernant le divorce conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quel est le divorce innové, at-talaq al-bid'i? Des exemples? Naam. Le fait de divorcer, de prononcer trois fois durant une seule assise. Ahsan, le fait de prononcer le divorce trois fois dans une même assise ou dans une même phrase. Mais encore? Encore le fait de prononcer le divorce pendant les menstrues de la femme. Naam. Le fait de prononcer le divorce pendant les menstrues, en période de menstrues, et de divorcer de sa femme alors qu'on a eu un rapport avec elle. Non, pendant qu'elle est pure, mais dans une période de pureté dans laquelle il y a eu des rapports conjugaux. Et donc, ces trois sortes de divorces sont innovées et sont interdits en islam. Et celui qui divorce de sa femme dans une des trois circonstances que l'on a citées précédemment, fahuwa athim, il risque le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a commis un péché. Et concernant le fait de divorcer de sa femme durant, et de façon interdite, est-ce que le divorce est malgré cela comptabilisé ou non? Celui qui divorce de sa femme alors qu'elle a ses menstrues, est-ce que ce divorce est autorisé d'abord? Non, il est interdit. Et est-ce qu'il est comptabilisé? Oui. Naam. Oui, la plupart des savants, Jumhur al-Ulama, parmi eux les quatre imams, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa et l'imam Shafi'i, rahimahumullah, la plupart des savants disent que il est comptabilisé. Et certains savants, parmi eux, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, eux considèrent que le talaq n'est pas comptabilisé. Ils considèrent que le divorce n'est pas comptabilisé car il a été fait de façon interdite et de façon non légiférée.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui commet un acte sans qu'il n'y ait notre commandement, alors il est rejeté. Et le khilaf, c'est une grande divergence des savants sur ce sujet. Et la divergence vient sur, apparaît dans le hadith de Abdullah ibn Omar. Dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar radiallahu anhu: Mourhu, ordonne à ton fils, mourhu falyuraji'ha. Ordonne-lui de la récupérer. Falyuraji'ha. Et c'est justement sur ce mot, falyuraji'ha, ou sur ce verbe, cet ordre du professeur Hassem, qu'il a eu la divergence des savants. Certains ont compris, récupère-la, dans le sens juridique. C'est-à-dire que le divorce a été prononcé, et de la récupérer, c'est-à-dire de la récupérer d'un divorce. C'est-à-dire de la récupérer d'un divorce. Et les savants qui ne comptabilisent pas ce divorce disent que al-muraja'a huna yufhamu minha al-ma'na al-lughawi. Et les autres savants, parmi le Cheikh Issam Damia, et à notre époque, ou plutôt les savants contemporains, le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, disent que falyuraji'ha dans ce hadith, il faut comprendre le sens littéraire, c'est-à-dire qu'il la récupère. C'est-à-dire qu'il la récupère et qu'il attende qu'elle soit purifiée, puis qu'il attend des prochaines menstrues, puis qu'elle soit encore purifiée, et ensuite, là, s'il veut la garder, qu'il la garde, et s'il veut la divorcer, qu'il la divorce avant d'avoir des rapports avec elle. Donc, la divergence a lieu sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme je l'ai dit, l'avis de la plupart des savants à notre époque, et des savants de l'islam, c'est que le divorce est comptabilisé, et ceux qui le comptabilisent, la plupart des savants, comme je l'ai dit, utilisent des versions, des riwayats qui sont certaines jugées bonnes et d'autres authentiques, où Abdullah ibn Omar radiallahu anhu lui-même a dit Husibat tatliqa, qu'elle a été comptabilisée comme une seule, comme un divorce. Et dans d'autres hadiths, dans d'autres versions de ce hadith, le prophète sallam a dit Hiya wahida, c'est la première, autrement dit, cela est comptabilisé comme étant un divorce. Et on avait cité, il y a la parole de l'Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah à ce sujet, où il prouve que, en utilisant ces versions de hadith où le prophète sallam a dit Hiya wahida, ou lorsque Abdullah ibn Omar a dit Husibat bitatliqa, que cela vient mettre un terme à la divergence, car lorsqu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il y a une divergence, il faut retourner au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on avait parlé du divorce qui est fait à trois reprises. On avait dit que celui qui divorce de sa femme à trois reprises dans une seule phrase ou dans une seule imam assise, que l'avis des savants, et l'avis de la plupart des savants, était que cela était considéré comme de la plupart des savants, j'ai dit, à ce sujet. Non. On avait dit que l'avis de la plupart des savants, Jumhur al-Ulama, considère que cela est considéré comme trois. Que cela est considéré comme trois. Mais on avait dit qu'il y avait beaucoup de compagnons et certains savants qui, eux, considèrent que cela est considéré comme un seul divorce et non pas trois. Et parmi eux, certains compagnons comme Abu Musa al-Ash'ari, comme Abdullah ibn Abbas, comme Abdullah ibn Mas'ud, comme on l'avait cité la semaine dernière, mais il y a aussi parmi les grands savants, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, rahimahumallah, qui ont prouvé que celui qui divorce de sa femme trois fois dans une seule imam assise ou dans une seule phrase, que cela est considéré comme un seul divorce. Et ils ont apporté cela, la preuve, comme preuve, le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, lorsqu'il a dit qu'au temps, vous avez oublié le hadith ? Non ? Naam, qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que pendant la période du califat de Abu Bakr radiallahu anhu et les deux
premières années du calife de Omar al-Khattab, que celui qui divorçait trois fois de sa femme, que cela était considéré comme un seul divorce. Et que par la suite, lorsque Omar al-Khattab a vu que les hommes s'amusaient que le fait de divorcer de sa femme trois fois dans une seule même assise ou dans une seule phrase était devenu très fréquent chez les hommes, il a alors décidé de comptabiliser cela comme trois divorces à son époque, radiyallahu ta'ala an. Et les savants ne nient pas cela, ils disent que Omar al-Khattab a bien fait cela, mais il a jugé bon de faire cela vu les circonstances qu'il y avait à son époque, des circonstances qui ne sont plus existantes à notre époque. Et lorsque ces circonstances ne sont plus d'actualité, il faut alors revenir à ce qui était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ensuite, on avait parlé de la quatrième catégorie du divorce qui se divisait entre un divorce avec retour ou un divorce avec al-talaq al-ba'in ou al-talaq al-raj'i. Al-talaq al-ba'in avec une séparation et al-talaq al-raj'i avec une possibilité de récupérer sa femme. Et on avait dit que le premier type de divorce qui était avec séparation, qu'il y avait deux sortes de séparation, il y avait la petite et la grande. Qui peut me donner un exemple de petite séparation? Qu'est-ce qu'un divorce avec une petite séparation? Non. Que quelqu'un dise à sa femme, je te divorce, qu'elle aille à la fin de sa période de rita, et qu'à ce moment-là, ils doivent se séparer, et ils peuvent se remarier avec un nouveau contrat, sans qu'il y ait... Non, parce que là, c'est un talaq raj'i. Là, il a la possibilité de récupérer sa femme. Avec un nouveau contrat. Non. Avec un nouveau contrat, non. Répète, c'est quoi l'exemple que tu as donné? Elle a fait sa rida complètement, elle a fait sa période. Naam. Et ils ne sont pas revenus ensemble. Naam, après la rida. Donc après la rida, naam. Mais il y avait deux exemples qu'on avait donnés la semaine dernière, beaucoup plus précis et beaucoup plus parlants. Celui qui, justement, pendant la rida, qui rompt du patara pendant la rida. Ça, on a dit que c'est un talaq raj'i, c'est un talaq, un divorce avec possibilité de récupérer. Avec possibilité de récupérer sa femme. On avait dit que le divorce avec une séparation nette et franche, à partir du moment où le divorce est prononcé, que cette séparation, il y avait des petites séparations et des grandes. La petite, on avait donné l'exemple de celui qui divorce d'une femme avec qui le mariage n'a pas été consommé. On avait dit que de divorcer avec une femme avec qui le mariage n'a pas été consommé, qui n'avait pas de idda, qu'il n'y a pas de période d'attente à respecter, et qu'au moment où il prononce le divorce, que ce n'est plus sa femme. Donc il y a une séparation. Il y a une séparation qui est petite. Pourquoi? Car comparée à l'autre séparation, elle est grande. Et cette petite séparation, pourquoi elle est petite? Car il a possibilité de se remarier avec elle, avec un nouvel acte de mariage. Mais quant à la grande séparation, c'est... Non? Quel est l'exemple de la grande séparation? Al-talaq al-ba'in baynuna kubra. Non, lorsque celui qui divorce trois fois de sa femme, celui qui divorce trois fois de sa femme, est-ce qu'il y a une séparation qui est faite au moment de la prononciation ou de la formule du divorce? Pourquoi une séparation? Parce qu'il n'y a pas possibilité de la... Parce qu'au moment où il a prononcé le divorce pour la troisième fois, ce n'est plus sa femme. Ce n'est plus sa femme. Elle doit respecter la période d'attente de 3 menstrues ou de 3 mois, mais dans la maison de ses parents, et non pas dans la maison de son mari, car ce n'est plus sa femme. Il y a donc une séparation. Et pour pouvoir se remarier avec sa femme, il faut qu'elle se remarie avec un autre homme et que le mariage soit consommé et qu'il la divorce et que ce soit un mariage sincère. Donc, d'où la définition des savants lorsqu'ils disent que c'est une grande séparation, c'est-à-dire que pour récupérer sa femme, c'est beaucoup plus difficile
que celui qui divorce de sa femme avec qui il n'a pas consommé le mariage. C'est clair ? Ensuite, il y a la deuxième catégorie qui est le divorce avec la possibilité de récupérer sa femme. Et ceci a lieu lorsque celui qui divorce avec sa femme, une fois ou deux, il a la possibilité de récupérer sa femme pendant la période de Idda, pendant la période d'attente, au moment où il le veut, et que sa femme, est-ce qu'il y a comme condition que sa femme l'accepte ou non, ou que son tuteur l'accepte ou non? Non. Que sa femme le veuille ou non, ou que c'est son tuteur le veuille ou non, c'est un droit pour son mari de la récupérer, car elle reste sa femme, même si elle est en période d'attente, de idda, elle reste néanmoins son épouse. Et pour compléter un peu ces différents types de divorces, il y a d'autres types de divorces que l'auteur n'a pas cité et qui peuvent avoir lieu. Il y a le divorce de celui qui n'a pas été marié, de divorcer avant même d'être marié. C'est-à-dire, si une personne dit je divorcerai avec toutes les femmes avec qui je me marierai. Au moment où je me marierai avec elles, elles seront divorcées. Ou celui qui fait un vœu, par exemple, de dire toute femme avec qui je me marierai, eh bien, elle sera automatiquement divorcée. Celui, par exemple, qui fait le vœu, si Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde telle ou telle chose, eh bien, il dit je divorcerai avec la femme avec qui je me marierai. Au moment où le mariage sera conclu, le divorce succédera directement après. Quel est le jugement de ce divorce? Est-ce qu'il est pris en compte ou non? Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est un serment qu'il a fait. Et il peut faire une expiation. Non. Non, c'est pas pour ça qu'il n'est pas pris en compte. Il n'est pas légiféré. Il n'est pas légiféré, c'est interdit, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas pris en compte? Il n'est pas encore marié, peut-être. Non. Il n'est pas encore marié. Il n'est pas encore marié, il ne peut pas prononcer un divorce avant d'être marié. Ahsant. Car le mariage n'a pas été conclu. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا طَلَاقَ فِي مَا لَا يَمْلِكَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de divorce dans ce que tu ne possèdes pas. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de divorce s'il n'y a pas de mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُهُنَّ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô vous les croyants, lorsque vous vous mariez avec des croyantes, puis que vous divorcez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord attesté qu'il y a d'abord un mariage, et pour que le divorce soit valide, puis divorcer. C'est-à-dire il faut d'abord être marié avant. Il faut d'abord être marié avant. Un autre point, le fait de divorcer à l'écrit. Le fait de divorcer à l'écrit. Quel est le jugement de divorcer à l'écrit? Un homme qui écrit à sa femme, je te divorce. Non, il est sincère. Il écrit à sa femme, je te divorce, je suis conscient de ce que je dis, etc. etc. Pourquoi ça ne remplit pas la condition? Bah, il a la niya quand il écrit. Voilà. Il dit pas. Non. Il lui dit pas. Les savants disent que le divorce à l'écrit a le même jugement que al-kinaya. Vous vous rappelez de al-kinaya? C'est quoi al-kinaya? C'est les formules ambiguës ou qui peuvent être les formules de divorce qui sont ambiguës, qui ne sont pas claires. Et qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Concernant les paroles qui ne sont pas claires, les paroles de divorce ou les formules de divorce qui ne sont pas claires,
Tout dépend de l'intention. Et les savants donnent le même jugement sur le fait d'écrire. Si vraiment, lorsqu'il a écrit, il avait l'intention de divorcer, alors le divorce est prononcé, même s'il est à l'écrit. Et un autre point aussi, il y a le divorce en état de colère. Il y a le divorce en état de colère. Yani, l'état de colère, les savants le divisent en trois. Il y a au début de la colère, il y a l'état entre la colère et le calme, et il y a la grande colère qui rend la personne hystérique et qui rend, yani qui fait que la personne ne sait plus ce qu'elle dit. Concernant le premier état, au début de la colère, les savants sont unanimes sur le fait que le divorce est prononcé. Lorsque la personne commence seulement à s'énerver au tout début et qu'il divorce de sa femme, les savants considèrent que le divorce est prononcé. Et l'autre extrémité, celui qui est en colère au point de ne plus savoir ce qu'il dit, au point de ne plus se contrôler, les savants sont unanimes sur le fait que qu'il n'est pas pris en compte et qu'il n'est pas considéré. Et dans l'état intermédiaire, lorsque la personne est en colère, après le début de la colère et sans pour autant être hystérique et en sachant ce qu'il dit, là il y a une divergence des savants à ce sujet. Certains disent que le divorce est prononcé, car il sait ce qu'il dit. Et d'autres savants, et c'est la plupart, et c'est bi'nillah l'avis le plus sûr, c'est que le divorce n'est pas prononcé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La talaqa fi irlaq ». Il n'y a pas de divorce lorsque la personne est enfermée. Et une personne qui est énervée et qui est en dispute avec son épouse est comme forcée et comme emprisonnée sur le fait de prononcer le divorce. Il est dans un état qui favorise le fait de divorcer de sa femme, comme s'il était emprisonné. Et le prophète sallam a dit « La talaqa fi irlaq ». Et ces savants utilisent aussi un autre hadith où le prophète sallam dit « La yaqdi al-qadi wa huwa radwan », que le juge ne prononce pas de sentence ou ne juge pas des personnes lorsqu'il est énervé. Car le fait d'être énervé, même en pesant ses mots, en sachant ce que l'on dit, le fait d'être dans cet état d'énervement, elle t'emprisonne et restreint ta faculté de réfléchir. Et certes, tu sais ce que tu dis, mais ton état d'énervement réduit à tafkir, comme le disent les savants, réduit à tafkir et emprisonne ta faculté de réfléchir et de raisonner. Donc, bi'nillah et tabaraka wa ta'ala, c'est la vie le plus sûr des savants. Allahu a'lam. طيب يقول المؤلف باب الخلع. باب الخلع. Donc là l'auteur parle du chapitre du retirement. Le fait que la femme se retire de son mari. تعريفه الخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله لأن المرأة لباس الرجل والرجل لباس لها قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. La définition de al-khul' dans la langue arabe qui vient du terme enlever khala' al-thawb, c'est-à-dire enlever son vêtement, qui vient du fait de retirer, d'enlever. Car la femme est un vêtement pour l'homme, comme l'homme est un vêtement pour la femme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun » « Elles sont des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour elles » comme cela est cité dans le Coran dans Surat al-Baqarah.
وعرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها. Et les savants de l'islam l'ont défini, c'est-à-dire ont donné une définition juridique islamique du terme al-khul, c'est-à-dire que un homme se sépare de sa femme en prenant une compensation à cela. C'est-à-dire qu'un homme se sépare de sa femme et que sa femme lui donne une compensation financière. Et il est aussi appelé chez les savants al-fidya ou bien al-iftida, qui est le fait de se racheter. C'est comme si la femme se rachetait à son mari. Mashru'iyatuhu. Quel est le fait que cela est légiféré? إذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويضا له عن الضرر الذي يلحقه بفراقها. قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. L'auteur dit, lorsque la divergence et les disputes deviennent de plus en plus importantes et plus fortes entre les époux et qu'il n'y a pas une possibilité de les réconcilier ni de trouver un terrain d'entente entre les deux, et que la femme désire la séparation, il lui est alors autorisé de se racheter à son mari en donnant de l'argent pour compenser le mal qui le mal que subira le mari de cette séparation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens, et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné. C'est-à-dire, il n'est pas autorisé à l'homme de reprendre ou de récupérer quelque chose qu'il aurait donné à sa femme, à savoir la dot. À moins que tous deux ne craignent de ne pouvoir se conformer aux ordres d'Allah. Si donc vous craignez que tous deux vous ne puissiez vous conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché à ce que la femme se rachète avec quelques biens. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, le fait de rester ensemble est une chose mauvaise qui va faire en sorte que le mari n'adorera pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, ou que la femme n'adorera pas Allah Azza wa Jal comme il se doit, ou que les deux dépassent les limites d'Allah Azza wa Jal. Autrement dit, que leur union n'est pas possible et va dégrader l'état de l'un comme de l'autre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a pas de mal à ce que la femme se rachète à son mari. C'est-à-dire qu'elle demande la séparation de son mari et qu'elle donne une compensation financière à cela. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها. Hadith sahih, rawah al-Bukhari. Donc c'était la preuve du fait que al-khul est légiféré dans le Coran. L'auteur cite ensuite une preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit que la femme de Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu ta'ala anhu. Et Thabit ibn Qais ibn Shammas était une personne qui
parlait, c'était un poète qui parlait au nom du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Thabit ibn Qays ibn Shammas radiallahu anhu était un homme qui avait une voix portante. Il avait une voix portante et c'est entre autres pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi comme porte-parole pour parler en son nom et pour répondre aux mouchriquins à travers des vers poétiques. Et Thabit ibn Shammas radiallahu anhu était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait une grande piété. Et parmi les faits qui ont eu lieu et qui prouvent justement la piété de ce compagnon radiallahu anhu, c'est lorsqu'Allah azza wa jal a descendu ou a révélé la parole où il dit azza wa jal, ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Voilà, subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne parlez pas avec lui, c'est-à-dire n'haussez pas la voix quand vous parlez avec lui, comme vous l'haussez quand vous parlez entre vous. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Car si vous faites cela, vous risquez alors que vos actes soient suspendus sans que vous ne vous en rendiez compte. Et lorsque ce verset a été révélé, Thabit ibn Qays ibn Shammas radiallahu anhu a eu peur de que ses actes soient suspendus, car il avait une voix portante. Et il avait peur lorsqu'il parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer dans cette interdiction et que ses actes soient annulés sans qu'il ne s'en rende compte ou bien sans qu'il n'en ait connaissance. Et il est alors resté chez lui radiallahu anhu et n'est pas sorti de chez lui depuis que ce verset a été révélé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne le voyant plus, a demandé après lui et les compagnons radiallahu anhu lui ont répondu que depuis que ce verset est révélé, il n'est pas sorti de chez lui, car il a peur, en parlant avec toi, que ses actes soient suspendus sans qu'il ne s'en rende compte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des compagnons chez Thabit ibn Qays afin qu'ils viennent, et le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lui a dit « Tuqtalu shahidan » وتموت وتدخل الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit pour rassurer Qays ibn Thabit ibn Shammas radiallahu anhu, tu vas vivre joyeux et tu mourras martyr et tu entreras au paradis. Radiallahu ta'ala anhu. Il fait donc partie, radiallahu anhu, des gens qui, dans leur vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis le paradis. Car ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis ne sont pas seulement au nombre de 10, mais ils sont beaucoup plus que cela. Et parmi eux, Thabit ibn Qays ibn Shammas, radiallahu ta'ala anhu. Donc sa femme, la femme de Thabit ibn Qays ibn Shammas, radiallahu anhu, est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô envoyé d'Allah, je n'ai rien à reprocher à Thabit ni dans sa religion ni dans ce comportement. Walakinni illa anni akhaful kufr, si ce n'est que j'ai peur de la mécréance. Si ce n'est que j'ai peur de la mécréance. » Donc la femme de Thabit ibn Qays ibn Shammas radiallahu anha radiallahu anhuma, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour déjà affirmer qu'elle n'avait rien à lui reprocher, ni dans sa religion, ni dans son comportement. Et ce qui ne plaisait pas à sa femme, c'était l'apparence physique de Thabit ibn Qays radiallahu anhu. Elle n'aimait plus ou son mari ne l'attirait plus physiquement. Et elle a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam que cela pouvait l'emmener ou l'amener
à renier les biens que Thabit ibn Qays radiallahu anhu fait envers elle. Illa anni akhafu al-kufra fi l'islam. Donc ici dans ce hadith, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est que j'ai peur de la mécréance. Il ne faut pas comprendre de cela qu'elle a peur de tomber dans la mécréance. Hacha, on ne peut pas dire de cela des compagnons radiallahu anhum. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les trois signes qui font que la personne goûte à la douceur de la foi, وَأَنْ يَكْرَهَا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses. Lorsqu'elles sont chez une personne, il goûtera alors à la douceur de la foi. Et parmi ces choses, il y a le fait que la personne déteste retourner à la mécréance comme elle déteste qu'elle soit jetée au feu. Et dans une autre version du hadith qui vient expliquer justement ce terme « kufr », ce terme « mécréance », lorsqu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « illa anni akhafu al-kufra fi l'islam », si ce n'est, je n'ai rien à reprocher à Thabit, ni dans sa religion, ni dans son comportement, si ce n'est que j'ai peur de la mécréance dans l'islam. Mais est-ce qu'une mécréance peut être dans l'islam? Est-ce que deux choses opposées peuvent être réunies en une seule chose? Elle a dit, sauf que j'ai peur de la mécréance dans l'islam. De quelle mécréance voulait-elle parler? Non. Et al-kufr en islam, ça veut dire la mécréance, mais ça veut aussi dire l'ingratitude. Et ici, le terme kufr veut dire ingratitude. Car le professeur Hassellam a qualifié beaucoup de femmes comme ingrates envers leur mari. Leur mari qui font du bien à leur femme toute une vie, et au moindre problème, les femmes oublient tout le bien que leur mari font envers elles. Et la femme de Thabit ibn Qays avait peur de tomber dans cela, avait peur de faire partie des femmes qui sont ingrates envers leur mari, car elle n'était plus attirée par son mari physiquement parlant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui alors dit Aturaddina faturaddina alayhi hadiqatah, est-ce que tu vas lui rendre son jardin? Qalat na'am, elle a répondu oui, car Thabit ibn Qays ibn Shammas avait donné comme dot un jardin, avait donné comme dot à sa femme un jardin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lui rendrais-tu son jardin? Elle a répondu oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné, فَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا, a alors ordonné à Thabit ibn Qays ibn Shammas de se séparer de sa femme avec comme compensation ce jardin. Donc cela prouve que le fait qu'une femme demande de se séparer avec son mari lorsqu'elle ne le supporte plus, ou lorsque pour elle il est inconcevable de vivre avec lui, alors cela est autorisé, bien sûr, si c'est justifié. Car lorsque cela n'est pas justifié, c'est par contre interdit, et la femme risque un dur châtiment. Et c'est justement le chapitre qui suit, lorsque l'auteur dit At-tahdhiru minhu, la mise en garde contre al-khul', la mise en garde contre al-khul', car lorsqu'il est demandé sans raison, il devient alors interdit. La preuve, an Thawban radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghayri ma ba'sa bih fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah. Selon Thawban radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute femme demandant à son mari le divorce sans qu'il n'y ait de mal, alors l'odeur du paradis lui sera interdite. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud et At-Tirmidhi. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات المختلعات هن
al-munafiqat. Et l'autre hadith, ces deux hadiths on les avait déjà vus précédemment. Le second qui était un autre hadith selon Thawban radiallahu anhu également, où il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mukhtala'at, c'est-à-dire ceux qui demandent al-khul', les femmes qui demandent de se séparer de leur mari sans raison valable, hunna al-munafiqat, ce sont elles les hypocrites, wal-iyadu billah. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Puis l'auteur dit tahdil al-rijal min 'adl an-nisa, la mise en garde des hommes contre le fait d'emprisonner leurs femmes et de les empêcher de se remarier. De les empêcher de se remarier et de les garder avec elles, non pas parce qu'il veut vivre avec elles, mais pour lui porter atteinte. Pour lui porter atteinte et pour retarder au maximum l'échéance. Comme par exemple, un homme qui divorce de sa femme une première fois à sa demande et il n'a plus le désir de revivre avec elle, etc. Mais il la récupère pendant sa idda, pas parce que il s'est réconcilié avec elle et qu'il veut recommencer à zéro, mais uniquement pour bloquer sa femme et l'empêcher de la libérer, l'empêcher que sa idda se termine et qu'elle puisse se marier avec d'autres hommes. Cela est interdit en islam. L'auteur dit « إذا كره الرجل المرأة ورغب عنها لسبب ما فعليه أن يفارقها بمعروف كما أمر الله تعالى ولا يجوز له حبسها والإضرار بها لتفتدي نفسها منه. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Vous avez quoi dans le livre? La première version, il y a une erreur dans le verset. بكل شيء عليم. Yani dans la première version du livre, c'est marqué بكل شيء عليكم. طيب. Donc, pour ceux qui ont la première version, il faut corriger. Donc l'auteur dit, lorsque un homme n'a plus d'attirance pour sa femme et déteste sa femme, et n'a plus rien, il n'y a plus rien en elle qui l'attire, pour une cause ou une autre, il doit alors se séparer d'elle dans le bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Et il lui est interdit de l'emprisonner, ni de lui faire du mal et lui porter atteinte lorsqu'elle veut se racheter à lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens, et quand vous divorcez avec vos épouses et que leur délai expire, c'est-à-dire que leur délai s'apprête à expirer, alors reprenez-les dans le bien, ou bien alors libérez-les dans le bien. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens, mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors, et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Celui qui garde sa femme, l'emprisonne et l'empêche d'être libre et de pouvoir se marier avec d'autres hommes, ne fait pas d'offense. Il fait une offense à sa femme, certes, mais il offense sa personne avant tout. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Et ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. Ne vous amusez pas avec les jugements d'Allah en reprenant vos femmes uniquement pour leur faire du mal et pour leur faire du tort. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوَا. Et ne prenez pas les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala comme des moqueries. Et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous.
Pourquoi Allah Azza wa Jal dit cela? Pourquoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dit « Rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous ». Le fait qu'il ait permis de se marier. Naam, le fait qu'il ait permis de se marier, mais aussi le fait que celui qui fait des péchés risque d'être privé des bienfaits d'Allah Subhanahu wa Ta'ala sur lui. Et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous et ce qu'il a fait descendre sur vous comme livre et sagesse afin que vous raisonniez. Wattaqullah, et craignez Allah, et sachez qu'Allah est connaisseur de toutes choses. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Il sait si vous reprenez vos femmes avec sincérité ou si vous les reprenez uniquement pour leur faire du mal et du tort. Wa qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ô vous les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter de vos femmes contre leur gré et ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir à une partie de ce que vous aviez donné. Autrement dit, n'empêchez pas vos femmes de se remarier, ne les gardez pas en leur faisant du tort, soi-disant pour compenser l'argent que vous leur aviez donné. Car certains disent, mais je t'ai donné telle et telle dot, je ne peux pas te laisser partir comme ça, gratuitement, ou même ce que tu me donneras ne sera pas suffisant, je préfère, entre guillemets, te faire la misère et te faire souffrir pour que je puisse sentir cette compensation de tout l'argent que je t'ai donné. Et ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné. Donc l'islam, comme on le dit toujours, c'est une religion de juste milieu. L'islam interdit à la femme de demander le divorce ou de se séparer de son mari sans raison valable. Et l'islam interdit à l'homme d'empêcher sa femme, lorsqu'elle demande de façon justifiée le divorce ou de se séparer de lui, l'islam interdit à l'homme de garder ou d'emprisonner leur femme pour leur faire du tort et du mal. Il y a le juste milieu qu'il faut respecter. Et l'islam, ceux qui trouvent une offense en islam, ce sont des personnes soit qui ne connaissent pas cette religion, ou soit qui abusent dans cette religion. Al-khul'u fasqun wa laysa talaqan. On te dit que al-khul', le fait que la femme demande de se séparer de son mari, ou la séparation du mari de sa femme, avec une compensation financière appelée al-khul' en arabe et en islam, que cela n'est pas considéré comme un divorce. Al-khul'u lays fashun wa laysa talaqan. Donc al-khul' c'est une annulation de l'acte du mariage et ce n'est pas considéré comme un divorce. إذا افتدت المرأة نفسها وفارقها زوجها وكانت أملك لنفسها ولا حق له في مراجعتها إلا برضاها ولا يعتبر هذا الفراق طلاقا وإن وقع بلفظ الطلاق وإنما هو فسخ للعقد لمصلحة المرأة مقابل ما افتدت به. Donc l'auteur dit, lorsque la femme se rachète et que son mari se sépare d'elle, elle est alors libre et son mari n'a pas le droit de la récupérer sans son autorisation, sans l'autorisation de la femme. Et cette séparation n'est pas considérée comme étant un divorce, même si cette séparation a été formulée par les formules de divorce. Et quelle est la différence entre un divorce et un khul? Car dans tous les cas, qui prononce le divorce ou la séparation? C'est l'homme. C'est l'homme.
c'est l'homme et ce n'est en aucun cas la femme. Car on avait cité le hadith du prophète sallam, innama at-talaqu liman akhadha bis-saq. Innama at-talaqu liman akhadha bis-saq. Donc le divorce, la prononciation du divorce, la formule du divorce ou de la séparation en cas de khul, c'est une décision qui doit émaner, ou c'est une formule qui doit émaner de l'homme et non pas de la femme. Donc la différence entre le divorce et le khul, c'est qu'il y a une demande de la femme. Non, une compensation financière. Qu'il y a une compensation financière. Pour cela que l'auteur dit que c'est considéré comme un khul même si son mari dit à sa femme, je te divorce, mais avec une compensation financière. Dans ce cas, ce n'est plus un divorce, mais c'est un khul. Donc ce n'est pas un divorce, mais c'est une annulation de l'acte de mariage pour le bien de la femme, pour le bien de la femme, avec une compensation. قال ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله دين والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع. أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه، الثاني أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة، الثالث أن العدة فيه ثلاثة قروء. وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Zadul Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad, dans son livre immense, un livre très important en islam, où l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité dans ce livre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam quasiment de A à Z. Un livre où il parle de l'ensemble des chapitres du fiqh, et où il a comme il utilise comme méthode hadiyuhu sallallahu alayhi wa sallam fi kada. Il dit la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam empruntait dans tel et tel chapitre, hadiyuhu fi al-hajj, hadiyuhu fi al-salah, et ainsi de suite, la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam empruntait, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans tel et tel chapitre. Donc dans ce livre, Zad al-Ma'ad, l'imam Ibn al-Qayyim dit, et ce qui prouve que le fasr n'est pas un talaq, n'est pas un divorce, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ou a donné des conditions ou des jugements bien précis pour le divorce après la consommation. A donné des règles bien définies pour le divorce qui est fait après que le mariage soit consommé et avant qu'il n'ait atteint le nombre de 3. Et tous ces jugements qui sont propres au divorce, qui est prononcé après la consommation du mariage et avant d'atteindre le nombre de 3, ces jugements ne s'appliquent pas au khul et sont propres au divorce. Le premier jugement, c'est que le mari a le droit de reprendre sa femme. Celui qui divorce de sa femme, après que le mariage soit consommé, et avant que le nombre n'atteint 3, est-ce qu'il a le droit de récupérer sa femme pendant la idda? Oui. Le deuxième jugement, c'est que le nombre est limité à 3. Le nombre des divorces est limité à 3. Et après ce nombre de 3, eh bien, le mariage, ou plutôt pour qu'il récupère sa femme, il ne pourra la récupérer qu'après un mari, un autre mari et une consommation. Et le troisième jugement lié au divorce,
c'est que la idda est de trois menstrues, que la période d'attente est de trois menstrues. Donc ces trois jugements sont propres au divorce et ne concernent pas al-khul, ne concernent pas al-khul. Et ceci prouve que ce sont deux choses différentes, que le divorce est une chose et que le khul en est une autre. Et Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah cite justement la différence et dit وَقَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِ وَالْإِجْمَعَ أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ فِي الْخُلَى. Et il est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'unanimité des savants qu'il n'y a pas de récupération possible après le khula, c'est-à-dire pendant la idda. Car on va voir que la période d'attente pour le khula, elle est de d'une menstrue. Et durant cette période de menstrue, est-ce que l'homme a le droit de récupérer sa femme? Non, il n'a pas le droit de la récupérer. Il n'a pas le droit de la récupérer car ce n'est plus sa femme. Et justement, al-khul fait partie de at-talaqu al-ba'in. Rentre dans le cadre de al-ba'in baynuna sughra. Il entre dans la séparation petite. Car l'homme n'a pas la possibilité de récupérer sa femme, il doit faire un acte de mariage. Donc ça rentre dans le cadre de la séparation petite. Sa femme n'est pas obligée de se remarier avec un autre homme. C'est clair ou pas? Donc, il n'y a pas de... L'homme n'a pas possibilité de récupérer sa femme pendant la idda. وَثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَقَوَلِ الصَّحَابَ أَنَّ الْعِدَّةَ فِيهِ حَيْدَةٌ وَحِدَةٌ. Il est rapporté dans la sunna et les paroles des compagnons anhum, que la période d'attente est de une menstrue. Or, pour le divorce, la période d'attente est de trois. Donc, cela prouve que ce sont bien deux choses bien distinctes. وَثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَثَبَتَ بِالنَّصِّ جَوَازَهُ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ وَوُقُوعِ ثَالِثَةٍ بَعْدَهُ. Et il est rapporté dans le Coran l'autorisation de faire al-khul après deux divorces et de faire un troisième divorce par la suite. Dans le Coran, on va citer le verset après, Allah subhanahu wa ta'ala autorise de faire al-khul après que le divorce a été prononcé deux fois, puis après le khul de prononcer le divorce pour la troisième fois. Autrement dit, il y a deux divorces, puis un khul et un troisième divorce. Donc ce qui fait en tout, combien de séparations? Quatre. Trois par un divorce et une par un khul. Et si le khul était un divorce, on n'aurait pas pu dépasser le nombre de trois. Donc cela prouve que al-khul n'est pas un divorce. وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًا فِي كَوْنِهِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ فإنه سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا بما أتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, donc l'imam Ibn Qayyim dit, et ceci est très explicite. Mais le fait que le khul n'est pas un divorce est très explicite, car Allah subhanahu wa ta'ala dit le divorce avec possibilité de récupérer sa femme at-talaq marratan est au nombre de deux. Fa'imsakum bima'ruf aw tasrihum bi'ihsan. Après le deuxième divorce, l'homme soit récupère sa femme dans le bien ou soit la libère dans le bien. Wa la yahillu lakum, et il ne vous est pas autorisé de prendre de ce que vous leur avez donné, sauf si vous avez peur que les limites d'Allah soient transgressées. Et si ils ont peur, et si vous avez peur que les limites d'Allah soient transgressées, alors il n'y a pas de mal à ce que la femme se rachète. Alors il n'y a pas de mal à ce que la femme se rachète. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, après ce verset, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. Et si il la divorce, alors
elle ne lui sera plus autorisée hatta tankiha zawjan ghayra, jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala vient citer deux divorces, un khul et un divorce qui suit. وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناولها وغيرهما ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله غيره ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعا لأنها هي المذكورة فلا بد من دخولها تحت اللفظ وهكذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل وهي دعوة مستجابة بلا شك وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنهما من غير جنسه فهذا مقتضى النص والقياس وأقوال الصحابة. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah clôture son argumentation en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit par la suite فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Et s'il a divorce par la suite, après les deux premiers divorces, puis le khul, eh bien, elle n'a plus le droit de se marier avec un homme, elle n'a plus le droit, elle lui est interdite jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que ainsi a compris Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. C'est ainsi qu'a compris ces versets Abdullah ibn Abbas, qui est l'exégète du Coran par définition, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne l'interprétation du Coran, et c'est une invocation qui a sans aucun doute été exaucée. Donc il y a comme preuve la parole des compagnons, qui est la parole d'Abdullah ibn Abbas, qui est l'exégète du Coran, et il y a la raison ou l'analogie, car le fait que des jugements soient propres au divorce et d'autres qui sont propres au khul montre que ce sont deux natures différentes. Donc c'est al-qiyas, al-qiyas. Donc la preuve que al-khul n'est pas un talaq, il y a le Coran, la preuve que l'on a citée, la parole des compagnons qui est la parole de Abdullah ibn Abbas, et la troisième preuve en islam qui est, ou plutôt la quatrième preuve, c'est al-qiyas, l'analogie. Donc ce sont deux natures différentes, car chacun du khul et du divorce a des jugements qui lui sont spécifiques. C'est clair ? Non. Non. Parce qu'on a dit deux talaq marratan, ensuite le khul et ensuite le divorce. Non. Mais quand on arrive à khul, comment ça se fait qu'il y a encore divorce, vu que normalement on s'arrête après le khul ? Non, le khul, il y a une récupération, il faut un nouvel acte de mariage. Après, quand on dit récupération, qu'il n'y a pas possibilité de récupération pendant le khul, c'est-à-dire pendant la période de idda. C'est-à-dire pendant la période de Idda. Et lorsque la période est écoulée de une menstrue, si l'homme veut se remarier avec son ancienne épouse, il a le droit, mais il faut que les conditions du mariage soient accomplies, à savoir les témoins, l'accord du tuteur, et aussi l'accord de la femme. Et la dot, selon l'avis de certains savants. Okay. Mais il peut toujours faire le contrat pendant la période de Idda, ou il est obligé d'accoucher la période de Idda pour terminer. Si elle accepte, il l'a bénédaha. Si elle accepte, à condition qu'elle accepte. Non. À partir de là, s'ils ont refait un nouveau contrat de mariage, on reprend le nombre de talaq, on compte les anciens talaq. Voilà, à partir du moment où il la récupère, il faut considérer les nombres de divorces précédents. Il faut considérer le nombre de divorces précédents. Mais à partir du moment où le khul est prononcé, ce n'est plus sa femme. Ce n'est plus sa femme. D'accord ? Donc elle repart chez ses parents. Non, il faut qu'elle repart chez ses parents. Cette période de Idda, elle doit la respecter dans la maison de ses parents. Car ce n'est plus sa femme. C'est les savants l'entrent dans At-talaq al-ba'in, même si ce n'est pas un talaq. Mais c'est une séparation qui doit être faite entre eux.
le mari et la femme. Et à quoi sert alors cette période de Ida de un mois si la femme est chez ses parents et si la séparation est faite, c'est-à-dire que ce n'est plus sa femme? D'une, pendant cette période, la femme a-t-elle le droit de se remarier? Non. Elle doit respecter cette période d'une menstrue et lui est interdit de se marier pendant cette période. Et les savants disent aussi que c'est pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte, car si elle est enceinte, la idda, c'est alors jusqu'à l'accouchement. Et en parlant de idda, non. Allahu a'lam, l'adri. Non. Et est-ce qu'une autre personne peut demander cette femme-là pendant cette période-là? Ou lui faire des avances? Allahu a'lam, l'adri. Non. Al-idda, la période d'attente. Ta'rifouha. Al-idda ma'khoudatun min al-adadi wal-ihsa. Donc la idda vient du mot, vient du terme nombre et comptabilisé. Min al-adad wal-ihsa. Ay ma tuhsihi al-mar'atu wa ta'udduhu min al-ayyam wal-aqra. C'est-à-dire ce que la femme comptabilise comme jour ou comme menstrue. Donc ça, c'est la définition de la période au niveau de la langue arabe. C'est-à-dire, c'est une période dans laquelle il y a un nombre et qui peut être comptabilisé. وَهِيَ اسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ بِهَا الْمَرْأَةُ عَنِ التَّزْوِيجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ لَهَا إِمَّا بِالْوِلَادَةِ أَوْ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ. Et la définition en islam de la idda, c'est une période dans laquelle la femme attend avant de se remarier. Et cette période intervient après la mort de son mari ou bien après la séparation avec son mari. Imma bil wiladati ou bil aqra'i. Et cette période, elle est comptabilisée soit par une grossesse, soit par des menstrues, ou soit par des mois, c'est-à-dire des jours. D'accord ? Donc, l'idda, c'est une période dans laquelle la femme attend avant de pouvoir se remarier. Et l'idda est prise en compte à partir du moment où elle devient veuve, qu'elle perd son mari, ou bien que son mari se sépare d'elle. Et cette période de menstrues, c'est soit une grossesse, soit des menstrues, ou soit des mois. Anwa'uha. Wa man mata anha zawjuha fa'iddatuha arba'atu ashhurin wa ashra. Fa'iddatuha arba'atu ashhurin wa ashra. دخل بها أم لم يدخل لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Donc il y a différentes sortes de idda. La première, celui, il y a la femme qui perd son mari, la femme qui a un mari qui décède, alors sa idda, sa période d'attente est de 4 mois et 10 jours, que le mariage ait été consommé ou non. Que le mariage ait été consommé ou non, à partir du moment où l'acte de mariage a été conclu et que c'est son mari et qu'elle est sa femme, au moment où elle devient veuve, elle doit respecter une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens, et ceux d'entre vous qui meurent et qui laissent des femmes, elles doivent alors attendre une période de 4 mois et 10 jours. Illa an takuna al-madkhula biha hamilan. Sauf si celle avec qui le mariage a été consommé et est enceinte, alors sa période d'attente est dure jusqu'à son accouchement. Dure jusqu'à l'accouchement. قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Et celles qui sont enceintes, alors leur période dure ou s'étale jusqu'à
leur accouchement jusqu'à ce qu'elles accouchent. وعنيل مسور ابن محرمه ان السبيعه الاسلميه نفست بعد وفاه زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت حديث متفق عليه. Et selon مسور ابن محرمه qu'il rapporte que السبيعه الاسلميه a accouché après la mort de son mari de quelques nuits. Elle a accouché quelques nuits après la mort de son mari. Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé l'autorisation de pouvoir se marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation et s'est marié. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. « وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا عِدَّةَ لَهَا » لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة تعتدونها. Et celle qui est divorcée, la femme qui est divorcée avant que le mariage ne soit consommé, il n'y a pas de période d'attente à respecter. La parole, la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jalla sur le sens. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous mariez avec des croyantes, puis que vous divorcez d'elles avant de les avoir touchées, c'est-à-dire avant d'avoir consommé, il n'y a donc pas de période d'attente à respecter. فَمَا لَكُمْ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا وَالْمُطَلَّقَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Et la femme divorcée avec qui le mariage a été consommé, si elle est enceinte, alors sa période d'attente dure jusqu'à ce qu'elle accouche. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jalla que l'on a cité précédemment, et celles qui sont enceintes, leur période dure jusqu'à ce qu'elles accouchent. وعن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها 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 إلى نفسها. Hadith sahih, rawahu ibn Majah. Vous suivez ou pas là? Ou ça va trop vite? Non. La personne qui est veuve et qui est enceinte, mais elle respecte. La femme qui est veuve, elle a respecté 4 mois et 10 jours. Mais si elle est enceinte et qu'elle accouche au bout d'un mois, ça fait la vérité, elle est au bout du mois. Non, bon, on a cité le hadith juste avant. Non, d'attendre 4 mois et 10 jours. Non. Mais là, l'auteur a commencé par la femme qui est veuve. Soit le mariage a été consommé, ou soit n'a pas été consommé, la période est la même, elle est de 4 mois et 10 jours. Si elle est enceinte, on ne parle plus de 4 mois et 10 jours, mais on parle d'accouchement. Donc ça, c'est pour la femme qui est veuve. Puis l'auteur parle de la femme qui est divorcée, car on a dit que la idda, c'est une période qu'il doit respecter lorsque la femme devient veuve ou lorsqu'elle est divorcé. Donc il a d'abord parlé du premier point qui est le fait de perdre son mari. Et le deuxième point, lorsque son mari divorce d'elle, si le mariage n'a pas été consommé, il n'y a pas de idda. Si le mariage a été consommé et qu'elle est enceinte, alors on ne parle plus de 3 mois. Il y a une idda. Il y a une idda dans tous les cas. Mais ce n'est plus 3 menstrues, mais c'est l'accouchement. Et donc, justement, après avoir cité la preuve dans le Coran, l'auteur cite la preuve dans la sunna du professeur Asselem, selon Az-Zubayr ibn al-Awam, qui dit que il était marié à Umm Kulthum bint Uqbah. Et elle lui a dit, alors qu'elle était enceinte, libère-moi en me divorçant. فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَ. Il a alors divorcé. Il a prononcé le divorce. Puis, il est sorti à la prière, il est sorti à la mosquée pour prier, et en revenant, elle avait alors accouché.
Donc il ne s'est écoulé entre le moment où il a divorcé et le moment où sa femme enceinte a accouché, le fait de partir à la mosquée et de revenir. فَقَالَ مَا لَهَا خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ Qu'a-t-elle ? Elle m'a trompé, qu'Allah la trompe. Et ici, qu'il faut comprendre qu'Allah la trompe, c'est-à-dire qu'Allah la juge sur, sur l'acte qu'elle a fait. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. Puis il est parti voir le prophète صلى الله عليه وسلم et il lui a informé de la chose. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit سبق الكتاب أجله. سبق الكتاب أجله. C'est-à-dire que le destin a précédé. Et si on traduit littéralement, c'est-à-dire que le destin a précédé la période. Le destin a précédé la période. Et les savants ont expliqué, c'est-à-dire que la durée, la idda, a été terminée avant qu'ils ne se rendent compte. Avant qu'ils ne se rendent compte que le divorce a été prononcé. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à ce que cela arrive aussi vite. Car il avait peut-être l'intention de la reprendre. Mais le destin l'a précédé à cette décision qu'il voulait éventuellement prendre. Et le professeur Hassan lui a dit, « Ikhtibha ila nafsiha ». Le prophète Hassan lui a dit, « Tu n'as d'autre solution maintenant que de la demander en mariage, car ce n'est plus ta femme. Tu n'as d'autre solution que de la demander en mariage, car ce n'est plus ta femme, la idda ayant expiré. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ حِيَضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَا بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Donc la femme qui est divorcée, soit le mariage n'a pas été consommé, il n'y a pas de idda, soit la femme est enceinte. Dans ce cas, la période se termine au moment de l'accouchement. Et si c'est une femme qui a ses menstrues, alors la période est de trois menstrues. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues. Wal-qur'u huwa al-hayda. Et al-qur' en arabe, c'est al-hayda. Ce sont les menstrues. La preuve est le hadith de Aïcha. Les hadiths de Aïcha, anna umma habiba kanat tustahab. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها حديث صحيح لغيره رواه أبو داود. La preuve c'est le hadith de Aïcha رضي الله عنها qui rapporte que Umm Habiba était une femme qui avait ses menstrues. فسألت النبي صلى الله عليه يعني qui تستحاض كانت تستحاض يعني c'était une femme qui avait les hémorragies عفواً. Kanat tustahad. C'est une femme qui avait des hémorragies, c'est-à-dire des écoulements de sang qui sont autres que le sang des menstrues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de s'abstenir de la prière ayyam aqra'iha pendant la période de menstrues, pendant la période de menstrues, car on avait vu dans le chapitre de l'istihada qui sont les hémorragies et le chapitre de l'haïd qui sont les menstrues, on avait vu que la femme qui avait les hémorragies, est-ce qu'elle s'abstient de prier? Elle s'abstient de prier ou pas? Non. Non, car ce n'est pas le sang des menstrues, c'est un autre sang. Le sang des hémorragies ne sont pas les sangs de menstrues, et la femme qui est mustahada, elle doit prier et il est autorisé à son mari d'avoir des rapports avec elle. Et donc, Umm Habiba radhiyallahu anha, lorsqu'elle avait ce sang justement des hémorragies, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de s'abstenir de la prière uniquement pendant sa période, pendant ses jours de aqra. Ayyam aqra'iha, les jours où elle a al-qur, c'est-à-dire
les menstrues. Ici, l'auteur a cité ce hadith pour prouver que Al-Qur, c'est Al-Hayl. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit Thalathata Quru. Thalathata Quru. Et Al-Quru peut se comprendre de plusieurs façons, mais cela étant expliqué dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit comprendre Thalathata Quru comme trois périodes de menstrues. فإن كانت صغيرة لا تحيض لا تحيض أو كبيرة قد يئست من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. Et si c'est une femme qui n'a pas encore ses menstrues, ou bien si c'est une femme âgée qui a atteint la période de ménopause, c'est-à-dire qui n'a plus de menstrues, فعدتها ثلاثة أشهر. Alors dans ce cas, on ne parle plus de menstrues, mais on parle de mois, et la période est de 3 mois. La période pour les femmes qui n'ont pas encore leur menstrue ou pour les femmes qui ne les ont plus, la période de Ida est de 3 mois. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est-à-dire celles qui sont en ménopause, leur délai est de 3 mois. فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore leur menstrue. Il en est de même pour les femmes qui n'ont pas encore leur menstrue. Donc pour résumer, la femme veuve, qu'elle soit, que le mariage ait été consommé ou non, la période est de 4 mois et 10 jours. Si elle est enceinte, la période dure jusqu'à l'accouchement. Pour la femme qui est divorcée, si le mariage n'a pas été consommé, il n'y a pas de idda. Si elle est enceinte, la période d'attente dure jusqu'à l'accouchement. Si c'est une femme qui a ses menstrues, alors la période d'attente est de 3 menstrues. Et si c'est une femme qui n'a pas encore ses menstrues ou qui ne les a plus, alors la période est de 3 mois. Voyez. Non. Et la femme qui est malade, elle n'a pas un cycle régulier. On avait vu ça dans la période de l'Hayd. On avait vu ça, yani, soit elle sait différencier le sang, soit elle sait différencier le sang des menstrues et l'autre sang, dans ce cas elle prend en considération ce sang-là, ou soit, si elle n'a jamais eu de menstrues et qu'elle ne sait pas différencier les deux, alors elle compte en mois, ou sinon elle se compare avec les femmes de sa famille. Ou sinon, elle se compare avec les femmes de sa famille et estime sa période de menstrues comme la leur, ou comme les leurs. طيب, ما يجب على المتوفى عنها زوجها. Qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire envers une femme veuve? يجب عليها الإحداد حتى تنقضي عدتها. Donc une femme veuve, donc on a vu les différentes périodes à respecter, ou plutôt la durée des périodes d'attente à respecter. Que doit-elle faire durant cette période? يجب عليها الإحداد. Elle doit faire ce que les savants appellent الإحداد. Et الإحداد vient du mot arabe, yani signifie en arabe المنع, c'est-à-dire l'abstention. حتى تنقضي عدتها. Elle doit faire l'ihdad jusqu'à ce que sa période d'attente expire. والإحداد, donc en arabe, cela signifie l'abstention, المنع. Et en islam, الإحداد هو ترك الزينة والطيب ولبس الحلي ولبس الملون من الثياب والخضاب والكحل. Donc l'ihdad en islam, c'est le fait que la femme délaisse le fait que la femme ne s'embellisse pas, ne se parfume pas, ne porte pas de bijoux, ne porte pas des vêtements colorés, ni ne se teint les cheveux, ni ne met al-kuhl. Al-kuhl, vous savez tous ce que c'est. C'est le... Non, comment on appelle ça en français, al-kuhl? C'est la poudre noire que les femmes mettent sur le bord des yeux. Al-kuhl. Non? Pas sur les cils, sur le bord des yeux. Ça peut être sur les cils ou sur le bord des yeux.
Elle ne doit pas embellir ses yeux à l'aide de kuhl. Donc c'est le fait de délaisser, donc c'est le fait que la femme ne s'embellisse pas, ne se parfume pas, ne porte pas de bijoux, ne porte pas de vêtements colorés, ni ne se teint les cheveux, ni ne met le kuhl. La preuve, naam. Le fait qu'il va s'habiller en blanc là. On va citer inshallah ça. وعن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميتة على ميت فوق ثلاث إلا عن زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. Donc la preuve de l'ihdad, c'est le hadith de Umm Atiyah, radiallahu anha, Umm Atiyah, qui faisait partie des femmes de l'Ansar, radiallahu ta'ala anha, et c'était une femme qui lavait les défunts au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de hadiths qu'elle a rapportés dans le livre de l'Janaïs, dans le livre des rites funéraires. Donc elle dit, nous étions où on nous interdisait, autrement dit, qui leur interdisait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kuna nunha, on nous interdisait de faire al-ihdad sur un mort au-dessus de 3 jours. Au-dessus de, yani, pendant une durée supérieure à 3 nuits. Thalath ay thalath layalin. C'est-à-dire que lorsque un proche de la femme décède, son frère, son père, son oncle, etc., elle a le droit de faire al-ihdad, mais de faire une période d'abstention qui ne doit pas dépasser 3 nuits. Illa an zawjin arba'ata ashhurin wa 'ashra, sauf envers son mari. Dans ce cas, la période est de 4 mois et 10 jours. Et nous ne mettions pas al-kuhl. Nous ne mettions pas al-kuhl, c'est-à-dire la poudre noire que les femmes mettent sur leurs yeux. Voilà notre tayyab. Et nous ne parfumions pas. Et nous ne portions pas. Et de ne pas porter, yani de ne pas mettre al-kuhl, de ne pas se parfumer, de ne pas porter des vêtements colorés. Pourquoi ici, radiallahu anha, dit wala nalbas thawban masbughan? Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vêtements qui étaient colorés, c'était des vêtements que les gens mettaient pour s'embellir. Donc ils achetaient un vêtement qui avait une couleur et ils coloraient ce vêtement pour l'embellir. Donc Atiyah radhiyallahu anha dit que nous ne mettions pas ou de ne pas porter des vêtements colorés illa thawba asbin, sauf un vêtement appelé asb, qui était un vêtement connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont la texture était colorée à l'origine. Donc, les savants ont déduit que ce qui est interdit, ce sont les vêtements colorés que la personne colore elle-même. D'accord ? وَقَدْ رَخَّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَرْ. Et il nous a été autorisé, c'est-à-dire aux femmes qui sont en période de ihdad, au moment où elles se lavent, où elles se purifient de leur menstrue, d'utiliser nubza, c'est-à-dire un petit peu ou une petite partie, min kustin. Et al-kust, en arabe, c'est une sorte de parfum qui est du bakhour. Yani, c'est un parfum, c'est un encens, yani.
c'est un parfum qui est utilisé, mais en le brûlant, en utilisant la fumée de ce parfum, azfar. Et pourquoi ce bois qui était brûlé et pour parfumer avait une forme d'ongle. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou plutôt comme Atiya radhiyallahu anha a dit, qu'il nous a été autorisé d'utiliser al-kust azfar. C'était un parfum qui avait une forme d'ongle et qu'il brûlait à l'époque, et avec cela elle se parfumait. Wa kunna nunha an ittiba' al-janaiz, et on nous interdisait également de suivre les cortèges funèbres. On avait vu cela lors de Kitab al-Janaiz, qu'il est déconseillé, voire interdit à la femme de suivre les cortèges funèbres. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها لا تلبس المزحفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تخضب ولا تكتحل. Et selon Umm Salama رضي الله عنها, elle rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celle, plutôt la veuve, ne doit pas porter des vêtements colorés par du al-mu'asfar, par du safran, wala al-mumashshaq, wala al-mumashshaq. Et al-mumashshaq, qala al-ulama, ay al-masbour bil-mishq, wa huwa tinun ahmar. Et ni un vêtement qui est appelé mumashshaq. Et un vêtement mumashshaq, c'est un vêtement qui est coloré par une sorte d'argile rouge qui était connue et utilisée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la veuve ne doit pas porter de vêtements colorés au safran, ni colorés au mishq, ni ne doit porter de bijoux, wala takhdab, et ne doit pas se teindre les cheveux avec du henné, wala taktahil, et elle ne doit pas mettre al-kuhl. Et concernant al-kuhl, les savants disent que la femme ne doit pas mettre du kuhl que de jour comme de nuit pour s'embellir ou non. Pour s'embellir ou non, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, car le prophète sallam a dit wa la taktahil, et qu'elle ne mette pas du kuhl, c'est-à-dire quelle qu'en soit l'utilisation et quelles qu'en soient les circonstances. ما يجب على المعتدة من طلاق رجعي يجب عليها أن تلزم البيت الزوجية حتى تنقضي عدتها ولا يحل لها أن تخرج منه ولا يحل لزوجها أن يخرجها لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire pour la femme qui est divorcée, un divorce avec une possibilité de récupération pendant la période de Iddah? Il lui est obligatoire de rester dans la maison conjugale jusqu'à ce que sa période se termine. Et il lui est interdit de sortir de la maison, et de même qu'il est interdit à son mari de l'en expulser. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit au prophète, lorsque vous divorcez des femmes, divorcez avec elles dans la période prescrite et comptez cette période. Craignez Allah, votre Seigneur, et ne les sortez pas de leur maison, et qu'elles ne sortent pas de leur maison. المطلقة البائن والمطلقة ثلاثة لا سكن لها ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة. Et ensuite l'auteur parle de des jugements qui sont attraits à la femme qui est divorcée, qui a été divorcée trois fois. Inch'Allah, ce chapitre on va le continuer la semaine prochaine et commencer bien la tabaraka ta'ala le livre du Hajj par la suite. واكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.